votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Doja Ngaï, c'est parti. Regardez le mannequin sud-soudanais Anok Yeh clôturer le défilé Fendi Automne 2022. De temps en temps, Anok Yeh est connue pour honorer également une piste et faire ce qu'elle fait le mieux, manger et ne laisser aucune miette. Le super mannequin d'origine sud-soudanaise a clôturé le défilé Fendi Automne 2022. Couture a coupé le souffle, vêtue d'une robe brodée transparente d'un autre monde qui a fait toutes les listes de souhaits de nos éditeurs. Basculant en body en dessous qui montrait son physique impeccable, son maquillage était doux avec un bord mettant en valeur des tons nudes, riches et des eyeliners graphiques scintillants. Arborant ses boucles naturelles sur le podium, elle a opté pour des talons à enfiler noir pour garder l'accent sur le chef-d'œuvre d'une robe. Selon la marque sur les pièces de cette saison, un lien entre la France, l'Italie et le Japon, le style, l'artisanat et le symbolisme résonnent à travers le temps et à travers les continents, trouvant une maison dans la nature aux multiples facettes, le Fendi Couture. Les éléments naturels de la lumière et l'air trouvent leur place en tant que matériaux essentiels. Les édifices et les armures sont remplacés par les candeurs et la facilité d'être. Les matériaux transparents capturent la lumière et l'air ancrés dans un sens de la réalité par le poids des embellissements tactiles et un lien avec l'histoire artisanale rejoignant Kyoto à Paris à travers le temps et la tradition et le symbolisme. Une sensation radicale de douceur traverse Fendi Couture où la luminosité et la clarté deviennent les caractéristiques déterminantes d'une collection dédiée à la beauté naturelle et aux prouesses créatives de l'homme. La semaine dernière, les stars les mieux habillées soufflaient et n'avaient aucune chance. Life, sans raison de s'habiller et de se montrer, serait tout simplement ennuyeux. Heureusement, nous ne savons pas quoi ressemblerait dans cet univers alternatif. La semaine dernière, des événements comme les défilés Dolce & Gabbana, Alta Moda et Sartoria ont vu des célébrités, des stylistes et des DJ, des icônes de la mode marcher constamment sur le coup alors qu'ils faisaient de la couture haut de gamme, de bons de leur tenue et tous les jours. Faites-nous confiance pour toujours rechercher nos célébrités noires préférées et nos influenceurs de style qui, par tous les moments, ont participé aux festivités vêtues de proportions fantaisistes qui ont donné un luxe au nouveau sens. L'actrice Lupita Nyong'o a dû adorer l'Italie mais qui n'aimerait pas une semaine de shopping couture Dolce & Gabbana où vous dînez avec la crème de la crème, enfiler des pièces adorables et ressembler à de l'art. Personne de vivant, la star portait une mini-robe Dolce & Gabbana personnalisée avec des patchs floraux brodés, un bandeau carreto peint à la main et des pierres précieuse Swarovski alors qu'elle assistait au DG Alta Sartoria Men's Show à Marzememi et Sicile. Une vraie Barbie mélanine. La star Ciara et sa famille ont défilé dans les rues italiennes et dans des tenues Dolce & Gabbana et personne n'a raté un battement. Alors que Ciara incarnait le statut de déesse dans une robe à fente haute personnalisée avec une broderie inspirée de la mosaïque de Montréal ou Alta Sartoria Men's Show. Son mari Russell Wilson portait un smoking noir coupe Sicilia en tissu de soie avec des revers en pointe de satin et des tailles en gros grains. Les enfants se sont aussi démarqués dans des looks d'ING personnalisés. Toute une tribu d'ING. Le mannequin international Didi Stone sait comment créer un look fort. La star dans une chemise blanche classique Vivienne Westwood associée à une jupe crayon monochrome taille haute en est la preuve complète si vous en avez besoin. Superbe! Découvrez ce qu'il faut faire pour être prêt et à la mode. Fashionista 7 jours sur 7, merci Bukola. Infirmière, coach, youtubeuse et amoureuse de la mode, Bukola, également connue sous le nom de Suga, a piqué notre intérêt depuis un moment déjà. Qu'elle soit en gommage ou qu'elle porte ses looks décontractés, faites confiance à Bukola pour créer des looks chics. Basée au Texas, cette fashionista aime les ensembles moulants, les hauts courts, les looks en dénin chic, les ensembles et bien sûr les blouses stylées. En manque d'inspiration cette semaine, nous avons rassemblé 7 coupes élégantes basées sur le style de Bukola. Continuez à faire défiler une nouvelle dose de la semaine avec style.
Lundi, commencez la nouvelle semaine dans une combinaison de puissance pour cette tenue professionnelle parfaite du lundi. Mardi, maintenant que vous avez dépassé le Monday Blues, vous êtes officiellement dans votre zone et prêt à affronter la semaine. Associez un haut à manches surdimensionné et un pantalon vibrant pour remporter toutes les distinctions. Mercredi, vous êtes arrivé à un day célébré avec une nouvelle veste à paillettes associée à une robe sans manches pour ce punch supplémentaire. Jeudi, pour le jeudi, optez pour un look qui peut passer du travail à une réunion amicale par la suite. Vendredi, enfin vous êtes arrivé à vendredi. Sortez avec un look décontracté. Samedi, que vous sortiez pour un brunch ou que vous preniez simplement le week-end, vous voudrez maximiser votre confort sans sacrifier votre style. C'est vrai, c'est enfin l'heure de l'athlésure. Dimanche, comme nous le disons toujours, chaque activité du dimanche demande de se déguiser en quatre. Cinq coiffures à faire en cette saison des pluies. La saison des pluies est le retour de beaucoup de femmes ont refusé de sortir de peur d'être prises sous la pluie et de se mouiller les cheveux. Il y a des coiffures à faire en cette saison des pluies qui vous feront tourner en rond, peu importe l'intensité de la pluie. La clé ici est d'avoir une coiffure facile et qui ne se complique pas avec le temps. Une autre chose est ici et de s'assurer que vos cheveux reçoivent suffisamment d'air et sont bien nourris. Ayant connu cette dernière, voici 5 coiffures à faire en cette saison des pluies. Le wet look. Le wet look n'est pas seulement sexy, mais il est sans stress et c'est l'une des coiffures à faire en cette saison des pluies. Adoptez les prévisions pluvieuses et essayez le look mouillé. Taquinez vos racines pour plus de volume. Séparez les cheveux pour les côtés, puis appliquez de la mousse sur les cheveux mouillés tout en froissant pour obtenir de la texture. Naturel, le fait amusant à propos des cheveux naturels est qu'il donne un look simple mais sexy. Alors optez pour le naturel en cette saison des pluies et arrêtez de vous soucier que vos cheveux soient mouillés. Réduisez la crème que vous appliquez sur vos cheveux et utilisez plus d'huile et de mousse pour rendre vos cheveux brillants et mouillés. Silky Scarf Bandana. Attachez un foulard soyeux sur vos cheveux, quelle que soit la coiffure que vous portez, protégez vos cheveux de l'humidité et même si c'est le cas, vous aurez toujours l'air mignon. Head Wrap. Oui, ceux-ci sont pratiques, surtout lorsque vous n'avez pas la force de vous coiffer. Il suffit de ramasser cette enveloppe et de l'attacher à quelque chose de mignon et vous êtes bon d'y aller. Gel Pack. Le gel pack est idéal et fait partie des coiffures à faire en cette saison des pluies, car même s'il se mouille, il ne vous reste plus qu'à appliquer du gel pour que tout se remette en ordre. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dejania. À la prochaine. Et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye.